Bonjour, ici Alex Wagner et toute l'équipe Morning Kiss est à Lille pour un atelier. Et je voulais vous parler aujourd'hui de routine. Vous savez, les routines, c'est traditionnellement ces histoires toutes faites qu'on apprend par cœur. Par exemple, les grands classiques sont l'histoire du Jealous Girlfriend, ça s'appelle en anglais, la copine jalouse. Et il y en a toute une panoplie d'autres, des histoires toutes faites qui ont comme objectif d'accrocher l'intérêt d'une femme, de générer une conversation intéressante, de montrer qu'on a de la conversation. Bien sûr, le but, c'est d'éviter de tomber en panne de conversation. Le but, c'est de mettre sur pilote automatique sa conversation pour être beaucoup plus fluide, beaucoup plus sociable. Et bah, le but aussi, c'est d'accrocher l'intérêt d'une femme en racontant quelque chose d'intéressant. Évidemment, le souci, c'est que paradoxalement, plus on prépare sa conversation, plus on aura tendance à tomber en panne de conversation. Parce que qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on a terminé sa pile apprise par cœur de routine? Eh bien, on n'aura plus rien à dire. Qu'est-ce qu'on fait après? L'autre problème, et c'est peut-être encore plus important, c'est un problème d'estime de soi. Ça va casser votre estime de soi d'apprendre des histoires toutes faites par cœur, parce que ça vous envoie constamment le message que vous n'êtes pas suffisant tel que vous êtes et que vous avez besoin d'une histoire intéressante ou intrigante pour accrocher l'intérêt d'une femme, et ça, c'est pas une bonne chose. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire à la place? Bah, tout simplement, vous pouvez écouter ce qu'elle est en train de vous dire, cette femme. Vous pouvez écouter parce que en écoutant, vous allez pouvoir saisir les lianes conversationnelles qu'elle est en train de vous envoyer. Vous allez pouvoir rebondir. N'oubliez pas que rebondir, ça peut vouloir dire creuser, c'est-à-dire lui dire ah oui, pourquoi, comment ça se fait, ou alors ça peut être relié à sa propre expérience par rapport à ce qu'elle a dit. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin de routine et c'est même contre-productif. Mais parlons-en dans les commentaires. Est-ce que vous avez utilisé des routines? Est-ce que ça fonctionne pour vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez réussi à dépasser? Je sais que j'avais démarré avec des routines il y a maintenant quoi, 13 ans. J'avais une petite fiche Bristol dans ma poche pour me souvenir de mes routines. Et je peux vous assurer que ça a freiné ma progression plus que ça ne l'a accéléré. Et il n'y a rien de tel pour être en panne de conversation. Abonnez-vous en cliquant à gauche. Vous avez une vidéo nouvelle par jour avec Morning Kiss. Vous pouvez aussi visiter notre site web pour découvrir nos gammes de produits et formations. Et à droite, vous avez d'autres vidéos suggérées pour continuer sur notre chaîne. À bientôt. Au revoir.